Bonjour à toutes et à tous, c'est Kylian Rouge, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue en ce jour de fête sur la On My Way les BH. Et aujourd'hui tu vas lâcher ton like avant même de commencer cette vidéo. Ah ouais, aujourd'hui lâche pause bleu comme Eura TV parce qu'aujourd'hui on remet les On My Way Awards de l'année 2016. Mais oui, on révolutionne le YouTube game, t'as regardé le YouTube Rewind peut-être? Aujourd'hui on fait le On My Way Rewind et on revient sur cette année 2016 en quelque sorte, puisqu'on va passer en revue les meilleures vidéos, les meilleurs commentaires, les meilleurs abonnés, les meilleurs tout, puisqu'on a accès justement au Creator Studio de YouTube qui nous offre ça. Et on aura comme ça tout ce qu'il faut retenir de l'année 2016 de la On My Way, qui sera je pense d'ailleurs la seule année de la team On My Way, mais bon voilà, on parlera de ça dans une prochaine vidéo évidemment. Et on commence avec le tant attendu OMW d'or de la vidéo la plus vue sur la chaîne en 2016. Il s'agit tout simplement du leak du zombie DLC 4, révélation avec les maps, les dates de sortie, etc., qui a cumulé 17 240 vues, point loin devant la nouvelle PS4, la présentation de la PS4 Slim, ainsi que la vidéo du leak annonçant les nouveaux objectifs sur Call of Duty Black Ops 3. En cliquant sur avis sur les droits d'auteur, on a les palmes d'or OMW, des vidéos qui ont fait chier, hein, parce que voilà, il y avait des copyrights, etc. dessus, alors quoi, alors quoi. Voilà, par exemple, regardez, ils ont tué Modern Warfare, 6000 vues, et puis, bah, copyright, du coup, bah, monétisation dans le cul. On passe à communauté, on peut malheureusement pas remettre le OMW d'or du commentaire de l'année, parce que, bah, il y en a eu un petit peu beaucoup, on va dire, dans l'année, mais voilà, il y en a eu des pas mal quand même, donc c'est dommage, hein, il y en a eu des bien marrants, quoi. Le OMW d'or du plus gros abonné de la chaîne, selon cette page YouTube, et bah, c'est ADR, le petit poteau de TheKairi78. Bien sûr, c'est selon cette page qui est complètement buggée, parce que voilà, d'autres plus gros youtubeurs sont abonnés aussi à My Way, hein. Par exemple, il y a Jericho avec plus de 200 000 abonnés, je crois que l'Apex est même abonné, il y a d'autres gens qui sont abonnés, mais voilà, cette page fixe, je crois, a un seuil à 50 000 abonnés, et puis en plus de ça, voilà, seuls les abonnés qui partagent leurs abonnements sont affichés publiquement. Donc voilà, ADR, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou de la part de My Way sur sa chaîne, et puis un My Big Burger, bordel de merde. Coucou la Aria Clan, il y a une semaine, putain. Eh, les palmes d'or des gens qui ont été bannis de la chaîne, ouais. On a eu pas mal quand même. Si on est sur l'onglet chaîne, qu'est-ce qu'on a? Et ben on a état et fonctionnalité. Donc la palme d'or de la On My Way est attribuée à la On My Way. Voilà, une chaîne complètement clean en matière d'état du compte, en matière de droit d'auteur, en matière de règlement de la communauté, etc. Voilà, c'est vrai qu'on avait pris un strike à un moment et puis Activision nous l'a retiré. La palme du Network YouTube est attribuée à Edge Network, parce qu'ils nous suivent depuis le 13 janvier, c'est-à-dire quelques jours après seulement la création du compte. Et Edge Network peut accéder à votre compte et gérer vos paiements. What the fuck? D'où? Non, mais je suis pas d'accord là, c'est quoi ce bordel? Non, mais Edge Network, what the fuck? J'aurais voulu aussi remettre un OMW d'or de l'abonné le plus actif de la chaîne, parce qu'avant, dans justement cet onglet analytique, on avait aussi un onglet fan, et puis on pouvait voir tout simplement les abonnés les plus actifs en termes de commentaires, en termes de likes, en termes de vues de vidéos, mais voilà, ils ont retiré cet onglet, donc bah c'est dommage, hein, parce que ça aurait pu faire un petit trophée à remettre en plus. Le OMW d'or de la vidéo qui nous a rapporté le plus de YouTube Money est attribué à la vidéo la plus vue de la chaîne, puisqu'il n'y avait pas de copyright dessus, bah voilà, c'est la vidéo leak du DLC numéro 4 avec le Zombie Revelation qui nous a rapporté la modique somme de 6,02€. Ah, ça fait rêver YouTube, hein. Le OMW d'or de la vidéo la plus regardée en termes de durée de visionnage, celle que vous avez presque tous regardée jusqu'au bout lorsque vous avez cliqué dessus, c'est la vidéo de l'Octet2 qui quitte la team avec les informations de recrutement sur AdMyWay, où on disait qu'on ne recrutait pas à l'époque. Ouais, ça sert bien de dire qu'il y a des infos sur recrutement dans le titre, mais en fait qu'on ne recrute pas. C'est la vidéo que vous avez voulu voir jusqu'au bout en tout cas. Le OMW d'or de l'appareil par excellence que vous avez utilisé pour regarder nos vidéos, eh bah c'est le téléphone mobile. Eh ouais, ouais, c'est surprenant, tu vois, mais la première position de l'appareil qui est utilisé, bah 61% des vidéos sont regardées sur mobile, 18% sur tablette, seulement 16% sur ordinateur, c'est un truc de ouf. Quand même 5,3% des personnes nous regardent sur console, 3000 personnes ont utilisé un téléviseur, carrément un téléviseur intégré du genre Samsung Smart TV pour nous regarder, et puis 765 personnes utilisent encore une méthode inconnue pour nous regarder. Hein, ils font un tour de magie, ils font un truc de sorcier, ils regardent dans l'eau, je sais pas ce qu'ils font. Dites-moi un petit peu comment vous avez regardé les vidéos de la OnMyWay, parce que voilà, même YouTube il sait pas, tu vois, inconnu. Le OMW d'or du jour où le pic de progression d'abonnés a été le plus important cette année 2016 sur la OnMyWay est attribué au 28 mars 2016. Alors je sais pas exactement ce qu'on avait fait, est-ce qu'on avait fait un live à poil ou je sais pas, on a gagné 597 abonnés ce jour-là en tout cas. Voilà, celui-ci je le compte pas parce que c'était le jour du concours spécial, etc. Donc voilà, c'est un concours, c'est un petit peu hors catégorie. Et il faut remarquer qu'il y a quand même 2452 personnes qui se sont désabonnées à la OnMyWay depuis sa création. Le OMW
BMW d'or de la vidéo la plus likée de la chaîne On My Way est attribué à la vidéo quand il y a de la thune à gagner, vous mettez des likes, bah bravo. Ah oui, c'est justement cette vidéo que j'ai renommée comme ça, puisque c'est la vidéo où vous avez le plus liké, avec 1073 likes pour seulement 6 dislikes. C'était tout simplement un concours où on disait dans le titre qu'on faisait gagner des codes PSN à 50€, ainsi que des codes pour le jeu Call of Duty Infinite Warfare et la bêta qui se jouait à cette époque-là. Une personne sur deux qui like presque, enfin c'est juste un truc de ouf. Bon, si on le compte pas, parce qu'encore une fois c'est un concours, la deuxième vidéo la plus likée sur l'On My Way, c'est la vidéo du départ de l'Octetou. Bah alors, ça vous a fait plaisir ou quoi? On n'a jamais compris pourquoi il y a eu 643 likes sur cette vidéo. Bon, 30 dislikes aussi, parce qu'il y a des gens quand même qui étaient pas contents que l'Octetou y partait, mais bon, 643 likes, bordel de merde, on s'est quand même demandé pendant longtemps pourquoi vous étiez content que l'Octetou s'en va de la team. Sinon, à part ça, il y a la vidéo FAQ des 10 000 abonnés, une vidéo qu'on n'a jamais répondu d'ailleurs à la FAQ, qui a quand même amassé 481 likes. La palme OMW d'or maintenant, peut-être un peu plus attendue, de la vidéo la plus dislikée sur la On My Way, c'est une œuvre de Belloum, hein, On My Way Belluminati, qui s'est pris 78 dislikes dans la gueule avec sa vidéo Enfin la vérité sur la performance, Nextase, les concours, etc. D'ailleurs, c'était une vidéo un petit peu troll, un petit peu réponse au drama un petit peu qu'il y avait à l'époque, et puis à mon avis elle a pas très bien été comprise. Je pense pas que cette vidéo méritait autant de dislikes. La deuxième, c'est encore une vidéo de Belloum, bordel de merde, décidément Belloum il apporte que des dislikes sur l'On My Way, hein. Oh, la troisième la plus dislikée, 65 dislikes, c'est une vidéo de moi aussi, parce que je donnais mon avis sur Modern Warfare et sur le sniper, parce que j'aimais pas, tu vois, parce qu'ils ont tué le sniper de Call of Duty Modern Warfare remasterisé. Bref, en environ un an d'existence, la On My Way a amassé 77 250 j'aime pour seulement 4093 j'aime pas, donc voilà, dans l'ensemble c'est plutôt apprécié, hein, ça fait plaisir. Le pic de j'aime est au 28/09/2016, putain que vous avez kiffé ce jour là. Voilà pour les analytics, on a déjà fait le tour, je pense pas qu'on pouvait attribuer plus de trophées que ça. La meilleure vidéo de l'année, ça va être très personnel, donc je vous encourage vous à mettre dans les commentaires quelle vidéo vous avez préférée, peut-être qu'il y a une vidéo dans la team dans l'année 2016 qui vous a complètement marqué, que ce soit par son gameplay, par son commentary ou par une seule phrase qui était dite dans la vidéo, hein. Des fois une seule phrase permet de nous tuer de rire, tu vois, on met des likes, on fait des dons carrément pour une phrase qui a été dite, on se met à poil, on danse sur la table, etc. Je pense que si moi je devais attribuer mon OMW d'or de ma vidéo préférée, ce serait l'un des vlogs qu'on a fait, tout simplement, parce que c'était vraiment un moment présent, un moment qu'on a vécu tous ensemble, la famille On My Way Poto. Sinon, il y avait des vidéos qui m'ont fait marrer, que ce soit de Basta, de Belloum, de Dark, donc je sais pas vraiment, ne serait-ce que faire une sélection, et en plus, ce serait un avis personnel, je peux pas attribuer un trophée comme ça pour vous de ma part. D'ailleurs, j'aurais bien voulu vous faire aussi le trophée OMW d'or du meilleur don de l'année par un abonné, sauf que YouTube c'est toujours pas activé en France, bordel. Mathilde, qu'est-ce que tu fous? Toujours plus de thunes, on veut toujours plus de monnaie, falloir penser à autre chose que tes cœurs du créateur. Le OMW d'or du designer On My Way de l'année, je pense qu'on va l'attribuer à Monkey, parce que c'est Monkey qui a réalisé presque toutes les bannières de l'On My Way. Le OMW d'or du meilleur player de la On My Way en cette année 2016, je pense que là y a pas photo, on l'attribue quand même à monsieur Loctetou, hein. Je pense que c'est le meilleur élément, même si on a eu beaucoup de bons éléments, beaucoup d'excellents performeurs dans l'On My Way cette année, qui auraient été par la suite dans la Apex Clan directement, mais je pense que le meilleur qu'on ait eu dans nos rangs, c'est quand même monsieur Loctetou, et qui est monsieur 1000 nucléaires sur Call of Duty Black Ops 3. Le trophée du meilleur commentateur et en même temps la palme OMW d'or de la plus grosse révélation cette année 2016 grâce à la On My Way, je pense qu'on l'attribue sans trop de surprise à Basta de la TRJ Prod, On My Way Poto, parce que tout simplement ça a été l'âme et l'image de la On My Way pendant longtemps, avec bien sûr certaines personnes comme par exemple Check Dacrou, comme Belloum aussi qui arrivera en deuxième position, je pense, qui a gagné pratiquement 1000 abonnés grâce à la On My Way en quelques mois seulement. Mais Basta aussi, il est arrivé au début et puis il s'est forgé quand même une grosse fanbase et lui-même a instauré directement son image sur la On My Way, tout simplement. Après, évidemment, il y en avait d'autres qui étaient peut-être un petit peu au second plan, mais qui eux aussi avaient leur fanbase sur la On My Way, hein, parce que la On My Way, ça développait toujours la personnalité des gens et ça permettait de les faire connaître un petit peu plus que dans les autres teams, par exemple. Donc je pense à Spyroll, je pense à Artekill, je pense à d'autres qui de toute façon avaient été sélectionnés par les meilleurs, donc forcément quand t'étais dans la NMUS c'est que tu mets
mérité ta place et que t'avais un petit truc en plus que les autres. Et enfin, on arrive au dernier OMW d'or, un petit peu un bonus, voilà, ça va être très personnel, très subjectif, voilà, c'est que mon avis, j'ai même pas demandé aux gens de la team, etc. Ça va être que moi, le OMW d'or de ma chaîne préférée 2016. Voilà, ça va pas être très original, c'est Wankel Studio. Voilà, c'est dit, je ne demande pas de critique là-dessus, dites-moi le vôtre en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit rewind de l'année 2016 de la OnMyWay, n'hésitez pas, bah, du coup, à aller retourner voir vos vidéos que vous avez kiffé cette année. Remettez des petits commentaires là-dessus, ça fera plaisir de les revoir un petit peu en mode retour vers le futur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, de bonnes fêtes de fin d'année. C'était Jack Lacroux et je vous dis à très bientôt sur la OnMyWay. On se reparle très bientôt pour des projets qui en valent la peine. Allez, à plus les gens.